Bah, comme je donne à manger aux chats errants, du coup, je les vois tout le temps dans les gamelles des chats. Donc, je me suis dit, s'ils vont dans les gamelles, vont aller dans, attirer dans la vie. On va commencer. Donc les frelons, vous attrapez une sardine, vous mettez en bouteille. Avec un peu d'eau. Hein. Avec un peu d'eau. Ça diffuse bien. Oui. Quoi? Et vous attrapez les frelons. C'est bien à savoir. Hein. C'est une astuce qui fonctionne bien. Voilà, un petit peu les informations pour commencer. Donc la feuille des commandes est arrivée. On a rajouté une paire de choses, c'est-à-dire du terreau pour balcon et terrasse, donc pour celui qui a des fleurs. Et c'est au même prix que le terreau ordinaire, à part que la composition est un peu différente, et peut-être le peu d'engrais qu'ils mettent dedans aussi. La pouzzolane. La pouzzolane, c'est quoi? Ben, c'est de la lave en petits morceaux qu'on peut faire le drainage éventuellement des pots, quand on fait des pots qui ont parfois tendance à stagner dans de l'eau, pour éviter que les racines reste dans l'eau, donc on met une couche. Souvent on fait avec des bulles d'argile, mais les bulles d'argile ne vont plus donner non plus de nutriments ou d'éléments à nos plantes, tandis que la pouzzolane peut encore diffuser quelques éléments qui peuvent être bien pour les plantes. Voilà, les prix sont presque les mêmes, ça va encore. On a un peu été étonné en bien, on s'attendait à une grande. Il n'y a que les engrais qui sont un peu plus chers. Mais bon, ça reste. Donc l'engrais organique est à 27,50 € et je crois qu'il était à 25 ou à 26 la fois passée. Et le fumier de vache est sûrement monté aussi de 1 ou 2 euros. Sinon, le reste, ça me semble à peu près la même chose. Les algues, 8,50, c'était peut-être 8 avant, je ne sais pas. Mais le terreau, 6,50, il me semble que c'est le même prix qu'on est dans l'air. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que d'ici le printemps, ça va risquer d'augmenter. Hein. Donc, c'est bien, éventuellement, déjà, de les commander maintenant. Donc, on doit donner la feuille de commande avec le paiement avant le 13 octobre. Maintenant, le bon de commande est aussi sur Internet. Donc, on peut le copier par Internet. À ce moment-là, si on vient de trop loin, il faut faire un virement sur le compte que Monique va vérifier. Et tout ce qui n'est pas payé, on ne tient pas compte. Donc, parce qu'il y en a toujours qui commandent et après ils ne viennent pas chercher. Nous, on n'a pas d'endroit pour stocker. Donc, il faut que ça soit payé avant. Et on doit revenir chercher quand? Et donc, avant le 13 octobre, qui est un jeudi, donc le 13 c'est la dernière limite, et on doit venir chercher le samedi 5 novembre, entre 9h et 12h, et ça sera de retour, on n'a pas encore été voir, mais en principe de retour à la ferme Saint-Aquaire, comme les autres années. Donc l'adresse est là en dessous, celui qui vient qui a un GPS, il peut mettre l'adresse et trouver le lieu. Parce qu'on ne fait plus rendez-vous ici, on va directement là-bas. L'année passée, c'était déjà comme ça aussi. Voilà, donc ça c'est une chose. Cette année-ci, il n'y a pas de petit repas à Albec. Pour l'instant, le personnel n'était pas un peu moins motivé, je veux dire. Mais Michel, il dit, ah oui, l'année prochaine. Bon, donc on verra, peut-être que l'année prochaine, ça se le fera. Le cours de fleurs va reprendre ici vendredi prochain, donc 6h à 7h30 plus ou moins. Annie sera présente aussi, logiquement, hein, parce qu'elle a eu quand même un petit peu de problèmes d'opération, etc. Mais bon, ça se remet, ça va. Voilà. Pour ceux qui connaissent, bon, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais bon, Nadine, ceux qui connaissent Nadine, ça va être difficile. Voilà. Autrement, je pense que dans. Oui, ici aussi, la prairie aujourd'hui, ceux qui sont de Moucron, donc c'est la fête du potiron, la prairie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y faire un petit tour. La prairie, c'est quoi? Ben, c'est une ferme d'animation pour enfants qui fait aussi des classes
à la ferme, etc. Donc pour eux, faire un petit peu d'argent quand même aussi, pour leurs activités et tout ça, ils font une petite fête chaque année. Donc c'est aujourd'hui, à partir de 11h, donc il y a moyen de manger sur place aussi. S'il y en a qui ne connaissent pas et qui veulent aller manger avant de rentrer chez eux, et à l'adresse, je pense bien, ici dessus quelque part. Même pas. C'est la Vellerie, ça. Oui, c'est rue de la Belle Vellerie. Ah ben si, elle est là, l'adresse est là en dessous. Parce que parfois, il y a des gens qui demandent où est-ce qu'on peut aller manger quelque chose avant de rentrer. Donc, voilà. Et en même temps, il y a un très beau potager aussi. Hein. À voir, il y a les animaux, il y a un tas de choses. Voilà, donc septembre. Qu'est-ce qu'on peut faire en septembre? Ben, j'ai que 5 feuilles. Ça va, hein. Donc il faudra piocher dedans. Je ne vous demande pas de faire chaque truc non plus. Hein. Mais bon, chacun, il va peut-être trouver des choses qui pourraient éventuellement semer ou planter, etc. Ouais, les petits oignons sont arrivés. C'est 1 euro pour 250 grammes. Ça, c'est peut-être un petit peu augmenté en prix. Mais bon, le fournisseur habituel arrête. Donc, on a trouvé, on en connaissait un autre, mais qui est très difficile à obtenir à un délai raisonnable. Donc, ici, ça vient de Hollande directement. Une maison qu'on connaît, qui est très sérieuse, qui travaille bien, et la preuve, bon, c'est là. L'autre, on a demandé l'ail, mais c'était prévu qu'après le 19, hein, donc c'est un peu logique. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. On n'a pris que l'ail violet. Michel trouve que ben, commander 2 sacs, c'est trop. Parce qu'on ne sait pas les faire partir, et on reste avec. Donc on a commandé 1 sac. Et plutôt le violet, parce qu'il trouve que c'est celui qui va le mieux dans notre région. Donc les petits oignons aussi, il y en a tant qu'il y en a. Parce que l'année passée, on a aussi dû en jeter pas mal dans le jardin ici, parce qu'on était resté avec. Donc voilà, on ne peut quand même pas non plus continuer à travailler comme ça. On fait plaisir au plus grand nombre, et après... Tant pis, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les informations. Peut-être chose, parce que je vais peut-être oublier de dire ça, les potirons et les courgettes qu'on veut garder, on les laisse le plus longtemps possible. Bien sûr, si le plant est mort parce qu'il y a eu trop soif ou parce qu'il a été, le pied a été cassé ou je ne sais pas quoi, ceux-là, on peut les enlever et alors les consommer en premier. Sinon, les autres, essayez de les laisser le plus longtemps possible sur pied pour la conservation. Si c'est pour l'utiliser tout de suite, ben, vous pouvez les couper et les employer. Hein. Donc, ce serait con d'attendre le mois de décembre pour commencer, quoi. Donc voilà, j'ai déjà eu des questions. Si on a le temps, je vais encore laisser un peu de temps pour les questions et les réponses. Pour les poires et les pommes, bon, si on connaît les variétés, on connaît plus ou moins... la date de maturité. Sinon, ben, il faut un peu soulever le fruit une ou deux fois, et s'il vient avec, c'est qu'il est prêt à être cueilli. S'il tient, laisse-le encore un petit peu. C'est vrai que les poires, c'est très difficile à savoir quand est-ce qu'une poire est mûre. Bon, l'idée de la couper en deux et de voir si les pépins sont noirs indique que les autres vont mûrir dans les jours qui viennent. Bon, elles seront meilleures s'ils peuvent mûrir sur l'arbre, mais d'un autre côté, elles sont vite blettes. Et elles sont blettes parfois encore toutes vertes. Encore hier soir, j'en ai été chercher une, que moi je les ai mis en sachet, les plus belles en sachet. Il y en avait une qui était tombée dans le sachet. Elle était encore verte, mais elle était déjà blette. Donc, c'était une conférence. Donc ça dépend un peu, mais il y a des variétés qu'on doit absolument attendre jusqu'à octobre pour les cueillir. Donc on ne cueille pas tout, on cueille ce qui est plus actif en maturité. Je sais bien que dans ceux qui font les pommes et les poires, eux ils les cueillent plus tôt, mais ils ont des pièces frigorifiées,
ils ont peut-être un gaz qu'ils mettent dedans, etc., pour les conserver, et ils savent en avoir jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Nous, on n'est pas installés dans ce sens-là, donc on n'a peut-être pas non plus la quantité. Ils ont des frigos à moins 1 degré. Ah oui, ah oui, ça je ne savais pas. Mais bon, cette année-ci, c'est une année à pomme. Hein. J'ai un neveu, là, dans les Ardennes, on a été avant-hier, il a cueilli ses pommes pour faire du jus. Il y avait sur 6 arbres 1400 kilos. Il va avoir 1000 bouteilles de jus de fruits. C'est bien. Comment ? C'est bien. Ah oui, c'est bien. Oui. Il commence à se demander où est-ce qu'il va les stocker en attendant et à qui il va savoir les refiler. Parce qu'il y en a tellement. L'année passée, il y avait 300 kilos. Et ça fait à peu près 220 litres ou quelque chose comme ça, donc c'est beaucoup. Voilà. Donc septembre, les choux, éventuellement les rapadissima, donc c'est un chou à couper, qu'on peut manger les feuilles, les tiges, les fleurs. N'oubliez pas que toutes les fleurs de choux sont comestibles et bons, hein, et garnissent les salades. Donc vous les mettez au-dessus de la salade, il ne faut pas avoir peur, hein, donc c'est pas perdu. En plus, si on les laisse venir en fleurs, c'est qu'on ne les a pas cueillis ou qu'on a cueilli la tête et qu'on a laissé pousser le reste. Pour les abeilles, ils adorent. C'est plus les abeilles qui vont là-dessus que les boudons. Il y a d'autres choses que c'est plus les boudons, mais là, c'est beaucoup les abeilles qui vont dessus. Alors, les choux-fleurs pour le printemps prochain. Donc, il y a deux variétés dans le catalogue. Celle de Malines. C'est le numéro 45-000 et ceux de Enfurt, c'est 45.015. Donc ça marche assez bien en serre froide. Dehors, si on a un hiver comme l'année passée qui ne gèle pas, ça pourrait marcher, mais ça c'est un grand risque. Où il faut au moment de gel savoir les protéger, les couvrir. C'est surtout conseillé pour une grande couche, alors il faut quand même que c'est haut, hein, parce que le chou, il vient quand même 80 cm de haut. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez urgent. Hein. Donc, ici, je suis dans les choses qu'il faut absolument faire. Mais pourquoi en parler encore maintenant? C'est parce que les conditions en monde étaient très difficiles. Il y a beaucoup de choses, ben, je vais en revenir par après, qui ne lèvent pas quand il fait plus chaud que 20 degrés. Donc, c'était impossible. En plus, il faisait tellement sec qu'il fallait plusieurs fois par jour éventuellement arrosé, oui. C'est du boulot. Hein. Mais bon, donc il y a moyen encore de se rattraper là-dessus. Ce que je conseille surtout, c'est les choux blancs express et choux chicon cœur de bœuf. Donc c'est le 30 pour l'express, 30.000 et 31.000 pour le cœur de bœuf. Donc ça marche très bien et ça marche quasiment toute l'année. Donc vous pouvez en semer maintenant, vous pouvez en semer au printemps et vous pouvez même en semer plus tard. Et on a un beau petit chou qui n'est pas très dur à manger, je veux dire, au niveau du goût. Est acceptable par tout le monde. C'est presque comme de la salade. Donc on le coupe en petits morceaux avec une mandoline, ou je ne sais pas comment on l'appelle, mais bon. Voilà, et ça se conserve après. Donc on mange à fur et à mesure, on coupe le chou, on passe ce qu'on a besoin, on remet au frigo. Et ça peut facilement rester 3 semaines au frigo. Ça continue à être très bon. Les choux de Savoie ou choux de mai. Là, je n'ai pas mis le numéro, mais c'est aussi dans les 30, quelque part. Les choux de Milan, donc les choux verts, de Vienne, de Saint-Jean, ou les gros vertus, ces 3 variétés qui vont pour cette période-ci, qui peuvent aussi être semées éventuellement au printemps. Mais bon, on va quand même avoir des résultats beaucoup plus vite avec les choux qu'on sème maintenant au printemps. On les aura facilement un mois, si pas plus, avant, parce qu'ils sont déjà bien enracinés avant l'hiver et au début du printemps. Là, tout d'un coup, ça va très vite. En 3-4 semaines de temps, tout d'un coup, on a un beau chou que avant c'était encore une plante assez chétive. Ça va dehors, donc les choux blancs, les choux de Savoie, les choux de Milan, les choux rouges, par exemple la tête noire,
Et là, il faut regarder encore une fois dans les choux hâtifs. Donc, moi, j'ai noté le 34-000 au 34-060. Ou c'est peut-être l'un et l'autre, ça, je me rappelle. Donc là, il faut un petit peu regarder les explications dans le catalogue. Donc, ils vont dehors et ils vont en serre froide. L'unique ennui, c'est qu'il faut prévoir l'emplacement où ce qu'on va planter les tomates, ou bien alors, quand c'est le moment de planter les tomates, on coupe les grandes feuilles et on laisse le cœur avec une paire de feuilles et on plante alors entre deux. Mais il faut prévoir quand même une distance suffisamment grande pour pouvoir planter les tomates par après. Les jeunes choux ne gèlent pas, donc il n'y a pas trop de soucis, à part qu'ils se font manger par les pigeons. Quand on ne les protège pas, parfois par les limaces. Donc il faut quand même un petit peu les protéger. Ils poussent aussi hors de la période des périls. Donc il n'y a pas le papillon blanc qui vient pondre et qui a les chenilles. Et les papillons de nuit. Parce qu'il n'y a pas que la péride, il y a aussi un papillon de nuit qui donne alors les petites chenilles toutes vertes. Comment on les protège des pigeons? Ah ben avec un filet anti-insectes. C'est du grillage. Ouais. Et pas poser dessus. Il faut faire une armature. Parce qu'ils sont malins assez, ils se posent sur le filet et ils pondent en travers. Et les pigeons, parfois aussi, s'ils savent arriver, ils vont. Mais bon, ils vont pas vite savoir passer en travers. Calibre 12 aussi, c'est bon. Et Ignace, tu dis que c'est urgent. Est-ce qu'on a le temps de le faire d'abord en godet ou il faut Faire en godet. Surtout les choux, oui. C'est même préférable. Ouais. Ou en alvéoles, là. Mais prenez les alvéoles assez grandes. Pour moi, les tout petits pour les choux, ça ne va pas. Parce qu'un chou a un très grand développement de racines. Donc les plus grands ou bien les petits pots. Là. Oui. Ou bien une petite pépinière quelque part par terre, hein. Ça c'est possible aussi. Hein. Et après les repiquer. Voilà. Et on a ça quand on n'a pas encore grand chose d'autre. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc on a ça avril-mai, que les salades par exemple, sont que, quand on les a semées au printemps, sont que en train de se développer et qui viendront complété par après, quoi. Les choux de Chine, ça c'est le moment, il est temps. Donc ils aiment bien la chaleur et l'humidité. La chaleur, ils ont été servis, celui qui les a semés. L'humidité, il a fallu l'apporter. Hein. Donc voilà, ça va assez vite. Hein. Pour manger après, ça met, c'est logiquement à manger avant l'hiver. Hein. La moutarde. Donc les choux de Chine, c'est 51-000 jusqu'à 51-090. 90 pour les Français, c'est vrai que les autres, c'est pas trop dit pour les Français, mais bon, à la longue, ils vont comprendre. Parce qu'on a parfois des réactions sur Internet qui nous disent, ben oui, ceci ou cela, il faut peut-être améliorer un petit peu. Mais bon. Et moi, je suis content d'avoir vos réactions. Hein. Au moins, ça nous a fait avancer aussi. Hein, parce que si on reste toujours dans son petit cancan, on n'avance pas non plus, mais on apprend des choses par les gens. Et même parfois des conseils qu'ils nous donnent, hein, c'est très intéressant. Hein. Donc, et même tout le monde, après, qui regarde notre petit film, c'est trouver en dessous les réactions des gens. Quoi, hein. Bon, si c'est très négatif, il ne faut peut-être pas. Si c'est un petit peu négatif, ça va. Mais bon, voilà. La moutarde épinard, à conseiller. C'est quelque chose de très bon, à couper des feuilles, à ciseler dans la salade. Il y en a des plus piquants, des moins piquants. Il y en a des verts, des rouges, il y a de toutes sortes, en grandeur, de feuilles, en frisé, en dentelé, en tout. Il faut essayer. Moi j'aime bien les rouges parce qu'ils se ressèment tout seuls quand on ne les enlève pas complètement. Et après, quand ils se lèvent entre d'autres trucs, on les reconnaît tout de suite. Ils ont des nervures rouges comme ça.
Et alors, je prélève et je vais les planter quelque part. Souvent, quand on en a mis une fois et qu'on les a laissés grainer, on en a pour 10 ans. Hein. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en même temps, c'est un engrais vert si on en a trop. Et on récupère celui qu'on a besoin. Les autres, on passe à la binette et ils sont disparus, c'est fini. Donc, ça ne pose pas de problème d'envahissement, à mon avis. Alors, la moutarde en engrais vert. Donc, la moutarde épinard, c'est le 107.000 au 107.047. Ça vous évite de rechercher dans le catalogue. Parce que tout n'est pas toujours tout à fait par ordre alphabétique. Donc, voilà. La moutarde épinard, donc, ne gèle pas. C'est la famille des choux. Il n'y a pas d'acide oxalique. Et c'est doux ou piquant. Donc on a le choix. On peut aussi prendre plusieurs variétés et faire un petit mélange. Et bon, il y aura du piquant, il y aura du moins piquant dans notre salade, quoi. La pleine lumière, bien espacer les plantes, parce que ça peut devenir grand. Hein. Ça peut devenir facilement quelque chose qui va prendre 25-30 cm en largeur. Hein. Donc quand c'est trop l'un sur l'autre, ça va pas bien aller. Donc bien espacé et ils aiment bien de l'humidité. Bon, je suppose que maintenant on est parti pour avoir de temps en temps une averse. Donc logiquement on est bien parti pour ça. Et après vous allez la voir en différentes périodes de l'année si elle se ressème tout seul. Hein, parce qu'on peut la semer maintenant, on pourra la semer au printemps aussi, on peut la semer plus tard. Donc c'est une plante très facile. Et pour, à mon avis, très intéressant. Et la roquette. La première fois qu'on la sème, il faut la semer en place ou en godet? En godet, ça va très bien. On peut semer sur place, mais là, on aura 36. Et c'est un condiment. Hein, ça ne se mange pas comme la salade en grande quantité. On coupe quelques feuilles. C'est un peu comme la roquette, hein, ça ressemble un peu. Mais les feuilles sont plus grandes, sont d'une autre couleur et ont des autres particularités au niveau nutritif. Donc, ça complète, quoi. Hein. Il faut toujours essayer de faire une salade avec le plus possible de choses comestibles, hein. Avec des fleurs, éventuellement. Quoique, ben, on commence à manger les fleurs. J'ai toujours freiné les quatre fers pour les fleurs, parce que je trouvais que c'était joli. Mais ça ne se mangeait pas, mais si, ça devient la mode, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, la roquette. Ne gèle pas quand on la sème maintenant. Va en principe plus monter en fleurs non plus. Donc on l'aura plus ou moins pendant tout l'hiver si on en sème assez bien. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on en met un peu dans la salade, qu'on ne va pas commencer à faire, sauf celui qui aime bien. Mais un saladier complet, ça me semble quand même dur à avaler. Il y a la roquette, donc la roquette ordinaire c'est le 149.000 à 149.012 et il y a la roquette vivace qui est la 149.010 à 149.14. Encore une fois, la roquette comme les épinards, moutarde d'épinards, se ressème très facilement, lève très vite, donc là c'est pas la peine de mettre au congélateur avant, logiquement ça lève très vite, parfois en deux jours. Voilà. La vivace est intéressante parce qu'elle monte beaucoup moins vite en graines. Elle fait plus un cycle sur une année. Elle est vivace, semi-vivace, je dirais. Après, elle va se ressemer et vous allez la voir un mètre plus loin. Bon, vous pouvez la retirer et la planter ailleurs si ça vous arrange. C'est quelque chose de très facile. Le goût est plus fort. Hein. Comment ? Le goût est plus fort. Le goût est plus fort, ouais. Mais dans les moutardes, il y en a qui ont le goût assez fort aussi. Ouais. Oui, le goût est plus fort, que tu veux dire que quand elle est plus âgée ? Non. Non. Ah oui, oui, que l'ordinaire. Que l'ordinaire, d'accord. Mmh. On peut aussi manger les fleurs. Hein. S'il y a beaucoup de fleurs, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, ok. Ici aussi, ben, j'ai cueilli avant de partir chez moi. Donc ça, c'est les fines herbes de chinois, là, hein, japonais. Donc là aussi, hein, c'est comme l'ail des ours. Hein. On coupe les petites fleurs, soit au-dessus de la soupe qu'on fait flotter, soit dans la salade.
Ça marche très bien. C'est très décoratif. Ça peut se planter entre les fleurs. Ça protège les rosiers un peu contre les maladies et contre les pucerons. Plus contre les maladies à champignons. Les pucerons peut-être pas. Moi, je dis une bêtise. Voilà. La ciboulette chinoise, oui. Donc c'est avec des feuilles plates. Si vous n'avez pas ça, il faut absolument essayer ça. C'est un peu aillé. C'est un petit peu... Il y a deux sortes, normalement. Une un peu le goût de poireau et l'autre un peu le goût de l'ail. Bon, moi, je sens pas trop la différence. C'est peut-être pas les copines qui commencent à vieillir, peut-être. Plus de l'ail, quand même. Ouais, c'est plus l'ail. Et les petites fleurs ont aussi ce petit goût piquant. Là, hein. C'est agréable. Ça se ressème tout seul. Ouais. Après, ça se ressème aussi. On en trouve partout. Ouais, mais c'est beau. C'est envahissant, mais on tire et puis c'est parti. Quoi. C'est pas comme les choses qui s'enracinent et qui reviennent et qui reviennent. Voilà, les chicorées sauvages. À petite pomme, 26,090 à 26,095. 90, ça fait 90 et 95. À couper, éventuellement aussi, 24,095 à 0,97,097. Alors, ce que j'aime bien, et Michel apparemment aussi, ce sont les scaroles. Logiquement, les scaroles, c'est un peu tard pour semer, mais pour les cornets de Bordeaux et d'Anjou, le 23030 et 23020, ça va encore très bien, même dehors, mais c'est un peu tard pour dehors, mais en serre froide et en couche. Si on a un hiver doux, il n'y a pas de souci, ça on ne sait pas à l'avance. Ça fait des... Ben, ça, le mot le dit, hein, en cornet. Donc c'est une scarole qui pousse un peu comme ça, fermée. Et on cueille à fur et à mesure les feuilles. Moi j'en mets dehors, mais ceux-là sont déjà repiqués, sont déjà hauts comme ça. Et je vais en semer. Et Michel sèmera ici aussi. Donc il dit, moi je sème toujours tard parce que c'est surtout pour mettre dans la serre. Quand ça doit traîner avant que les tomates sont parties, j'ai pas de la place, donc lui les sème plus tard. Donc, moi j'ai pas encore fait, mais ici je vais essayer aussi, parce que j'en ai pas suffisamment non plus pour dire d'en mettre dehors et d'en serre, donc j'ai préféré mettre les plus grandes dehors. Et donc à fur et à mesure, on enlève les feuilles. Quand il y a des gelées, moins 2, 3, je mets quand même une caisse en frigolite, une caisse de poisson là, hein, oui. Au-dessus, avec un poids dessus, une brique ou quelque chose, pour qu'il ne s'envole pas avec le vent. Mais le lendemain, il faut ouvrir, hein, il faut fermer, ouvrir. Ça ne moisit pas très vite, sauf s'ils ont eu un petit coup de gel. Hein, à ce moment-là, ça moisit, mais moins vite qu'une autre scarole, je trouve. C'est sûrement parce que ça reste quand même plus ou moins ouvert. Ce n'est pas quelque chose qui se referme comme ça. Ça reste en cornet, comme un cornet de glace, en grand volume. Voilà, donc même en serre froide, hein, mettez quelque chose au-dessus, parce que souvent, il gèle aussi fort à l'intérieur qu'à l'extérieur, sauf que dehors, c'est plus méchant, parce qu'il y a le vent, et c'est le vent qui brûle. Hein, donc, mais moi, je n'ose pas non plus ne pas la protéger trop. Bon, quand ils disent moins 1, moins 2, bon, là, je ne touche pas trop. Mais quand c'est plus, j'essaye quand même un peu de les couvrir. Pas oublier de les redécouvrir après les gelées. Hein. Et ce n'est que la période de gel. Hein. Parfois c'est 3 jours. Mais si tu ne le fais pas, dans ces 3 jours, ben, tout est foutu. Hein. Et si tu les as couverts un petit peu, parfois encore un mois après, ou 2 mois même après, tu peux encore prélever les grandes feuilles. C'est ce que nous on fait. On prélève les grandes feuilles, on laisse le cœur. Et on laisse continuer. À un moment donné, au printemps, ça monte en fleurs. Voilà. Donc on mange cru. Si on coupe tout, ben, on va peut-être les cuire. Hein, ça peut se manger cru ou cuit, pas de souci. Les carottes. On peut encore semer des carottes, plutôt des mi-longs, soit dehors, soit en serre. Ils ne vont pas geler. Bon, bien sûr, s'il y a beaucoup de limaces, ou autre, donc il faudra quand même être vigilant. En serre froide, ça marche aussi pour avoir des carottes assez tôt au printemps.
Donc là, on va peut-être choisir les demi-longs, par exemple les nantaises. Les carottes, c'est entre 10,00 et 14,077,6. Donc 77,6. Voilà. Donc ça, c'est possible. Sinon, on attend le printemps. Bon, les courtes, moi, je trouve que tu as tellement peu à manger que... Ah, c'est bien, hein. Il y en a qui mettent ça chaque année aussi. Pourquoi pas, mais bon, moi je préfère les mi-longs plutôt, ou les longues bien sûr, mais ça, je préfère mettre ça un peu plus tôt. Là. Les poireaux, pour faire des poirettes, des poireaux à couper, quoique les poireaux, tous les poireaux, on peut les couper. Hein. Donc même s'ils sont butés, on débute un peu et on laisse quelques centimètres, on coupe, on consomme. On aura un peu moins de blanc. Mais bon, quand on enlève tout, on n'a plus rien par après. On laisse repousser et quand ils ont la hauteur de la butte, ben on peut rebuter et avoir de retour un poireau qui sera moins important. On n'a pas nécessairement besoin d'un poireau d'un kilo. Si on en a deux de 500 grammes, c'est déjà pas mal. Hein. C'est les semis, voilà. Là, tu parles de semis ou de repiquage? De semis maintenant, encore. Il y a une variété dans le catalogue exprès, mais je ne sais pas, je ne vais pas vérifier s'il y en a. C'est Alaska, c'est le 125.080. Ça m'étonnerait qu'on l'a, parce que les poireaux ne conservent pas longtemps les semences, un an, deux ans maximum. Donc ça m'étonnerait qu'on l'a commandé, je ne l'ai pas vu passer en tout cas dans les commandes. Sinon... je préconiserais plutôt les poireaux d'hiver ou de toute saison, genre Electra, gros vert de huit, gros vert d'hiver, je pense qu'il y en a un autre. Là, il faut regarder dans le catalogue. Donc, moi, je préférerais ceux d'hiver. Donc, le 124.000 au 125.000. Là, pour les Français, c'est la même chose. Protection contre la mineuse des vos poireaux que vous avez, il faut laisser en place jusque fin novembre. Donc il y a encore des pontes, ben, ça dépend de la météo bien sûr, mais possible quand il y a des bonnes périodes, jusque fin novembre. Donc si vous avez mis un voile ou quelque chose au-dessus, il ne faut pas trop vite penser être sauvé. Et les poireaux, bien sûr, moi je conseille même presque au semis, bon au semis c'est un petit peu exagéré, mais dès qu'ils commencent à pousser, de les protéger. Hein. Il ne faut pas attendre que le mal est fait. Voilà. C'est sûr que c'est souvent un peu plus tard que ça, l'attaque elle arrive, mais on ne connaît pas exactement la date que ça va arriver, donc protection un peu plus vite. Quoi.